j'ai pas eu en français en fait, donc je me suis un peu pensé parce que c'est en anglais ça. C'est un peu improvisé comme talk, je vais juste essayer de parler un peu de ma carrière, comment ça a été enclenché, comment je suis arrivé là où je suis arrivé pour essayer de motiver des jeunes troupes et les inspirer, faire en sorte qu'ils puissent avoir un exemple à suivre. Parce que je dis pas que je suis l'exemple parfait, mais ça a marché pour moi, peut-être pour vous aussi. On verra bien. Donc, on va commencer par le début. Stéphano, Elias Atourie, 23 ans. Je suis étudiant aujourd'hui, j'ai arrêté ma carrière. Et on va attendre un peu de calme, ouais. C'est mieux. Donc, j'ai commencé comme tout le monde. Je suis un gros fan de jeux vidéo. J'étais caché dans ma maison, dans ma chambre, dans le noir, dans l'obscurité, avec d'autres personnes, profiter d'un plage en Tunisie. Et j'étais fasciné par Warcraft 3 à l'époque. J'ai donné tout ce que j'avais dans le jeu vidéo, 100% de mon temps. J'ai raté même des cours pour aller jouer au jeu vidéo. Et c'est pour dire à quel point ça me fascinait. C'était quelque chose que je voulais vraiment faire de ma vie, réussir dans le jeu vidéo et prouver que je pouvais être un bon joueur dans la compétition et gagner les tournois. Et ça a commencé très doucement. Le début est très difficile. Je parlais avec quelques joueurs juste avant de monter sur scène et raconter à quel point c'est compliqué de pouvoir s'épanouir dans un pays qui n'a pas forcément les bonnes structures pour aider et accompagner les joueurs à progresser sereinement. Et moi, je suis l'histoire d'une personne qui n'avait eu personne pour l'aider. J'ai réussi à trouver une voie par moi-même tout seul. J'ai eu la chance d'avoir la double nationalité et d'être français aussi, ce qui m'a permis de pouvoir m'exporter en France et d'avoir une fanbase beaucoup plus importante et des infrastructures beaucoup plus développées là-bas. Mais quand j'ai commencé en Tunisie, c'était juste de l'acharnement, ne jamais s'arrêter. Je savais que je n'allais pas pouvoir progresser ou devenir professionnel juste en jouant en Tunisie, mais ce que je savais, c'est que si je fournissais les points nécessaires dans le jeu vidéo, il y aurait toujours quelque chose qui serait possible juste après ça. Donc on commence avec une carrière qui est très très lente au début, comme je disais, dans ma chambre en Tunisie. Je fais des petits tournois online, j'ai que 15 ans à l'époque, hein. Je suis encore très très jeune, j'ai 23 ans aujourd'hui. Et ouais, c'était excitant. J'ai fait peut-être, on va dire, 4 mois de tournois sans aucun résultat. Au bout du 5e mois, j'ai commencé à rencontrer des très bons joueurs sur Warcraft 3. Grumi, si quelques personnes connaissent, Lil DC et j'en passe d'autres. Et j'ai commencé pas à gagner, mais juste à prendre une carte, juste à montrer que j'avais la possibilité d'avoir une vraie compétition avec un joueur professionnel et pas de me faire écraser comme d'habitude. Et c'est là qu'on commence à réaliser qu'il y a vraiment un potentiel. Quand on fournit l'effort, le travail, ça paye et on voit les résultats dans le jeu. Et j'essaie de partager en quelque sorte l'état d'esprit dans lequel j'ai essayé de me mettre pour pouvoir progresser. À force de perdre à la chaîne, il faut finir par accepter le fait que la défaite fasse partie du chemin pour devenir bon. Il faut voir dans la défaite une opportunité de reconnaître ses erreurs, d'accepter ses erreurs, de les pointer du doigt et de se dire « Ok, j'ai fait ça mal, autant bien regarder les replays, analyser tout ce qu'on peut voir de ce qu'on fait de mal et pas forcément se concentrer sur ce qui a été bon et bénéfique. Si on a fait une bonne action dans une partie, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on maîtrise déjà et qu'on sait faire, alors que si on a fait une erreur, c'est quelque chose qu'il faut améliorer. » Et c'est quelque chose qui manquait énormément à l'époque où je jouais moi, c'est des personnes n'essayaient pas forcément de se remettre en question. Et c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Je ne sais pas pour vous si ça paraît évident ou facile. Pour moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai dû fournir énormément d'efforts et au final, je suis arrivé à un stade où j'en ai plus ou moins plus rien à faire de la défaite. Même je trouvais ça constructif de perdre. Quand je perdais contre un bon joueur, je me dis « Ok, j'ai perdu aujourd'hui, mais la prochaine fois que je le rencontre, je sais ce que j'ai fait de mal. » Lui, il va pas forcément se remettre en question parce qu'il a gagné la partie. Moi, j'ai un avantage comparé à lui, c'est que j'ai perdu. Ce qui paraît bizarre à dire, mais c'est vrai. Et autant en profiter. Après, je sais pas de quoi exactement vous voulez vous parler vis-à-vis de ma carrière, si c'est plus ou moins comment je suis arrivé là où je suis, ou comment maintenir son statut professionnel. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en Tunisie, je le concède, c'est très difficile dans cette manière, très très difficile. Mais il y a toujours des possibilités avec les tournois en ligne,
c'est pas un retour. C'est comme ça que moi j'ai réussi. Après, on essaie de se faire remarquer par une équipe. On fait des tournois, on fait des tournois et on se dit. Enfin, moi je me suis fait contacter par Eclipsia, pas Eclipsia, pardon, par Millennium à l'époque. Et ils m'ont mis en faire le podcast. Et là, j'ai pu partir en France, commencer à faire des petites lames. Il n'y a pas vraiment d'argent à gagner, c'est pas quelque chose qui est très glorifiant. C'est pas quelque chose que je rentre à la maison, je dis à ma mère, bon, regarde ce que j'ai accompli. Je rentrais avec 50 euros, 75 euros, 100 euros des fois. Et, mais l'important, c'est de continuer, de jamais lâcher de prise. La progression, on la voit. Et elle s'arrête que quand on décide que ça vaut plus le coup. Alors que pour moi, je savais toujours qu'il y avait une autre étape à atteindre, une autre étape à atteindre. Et donc on commence avec les petites lames en France. Je pense pas qu'en Tunisie vous avez vraiment de circuit pour les lames. Vous devez en avoir quelques-unes, mais pas forcément un circuit qui est très bien représenté avec les masters et tout ça, mais en France c'était assez bien rodé. On gagnait pas beaucoup d'argent, mais on gagnait en notoriété. Les gens nous regardaient, les gens commençaient à nous apprécier, le jeu devenu de plus en plus connu. Et voilà, c'est comme ça, c'est comme ça que l'histoire commence. Je vais pas vous faire vous déballer tout ce que j'ai accompli dans ma carrière. Je pense que la plupart d'entre vous, j'espère, sont au courant. Et c'est pas le but de l'intervention, mais j'essaie de vous faire comprendre comment n'importe qui peut être bon. Aujourd'hui, on n'a pas l'impression que l'Afrique du Nord ou le Moyen-Orient sont spécialement bien représentés dans le jeu vidéo. Et pourtant, je pense que c'est des milieux. Il n'y a pas de raison qu'on ait moins de potentiel que les autres. On a le même niveau, on est de la même espèce, la même race, on est tous les mêmes. Et c'est juste qu'on manque de structure. Et si on n'a pas les structures, il faut avoir l'ambition. Si on n'a pas l'ambition, il faut avoir les structures. Et donc, aujourd'hui, la Tunisie est sur le chemin de se mettre à jour, j'ai envie de dire, comparé aux autres pays. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour vous. Mais il faut donner soi-même aussi, et il ne faut jamais arrêter de se battre. It's a very talented, it's a very
so many young people trying to get themselves in the gaming industry. They were the hope of the next gaming generation. Now for the fourth award, which is the best PC console game. It goes to, again, Veterans Online. Someone is getting really tired from going up and down and everything. We know you're hungry, but... Good job. Congratulations. So thanks everyone, thanks all.